Bonjour et bienvenue dans ma rubrique mensuelle pour le magazine Miss Marketing. Donc aujourd'hui, une des questions qui revient très très souvent, c'est à propos de Facebook. Effectivement, je suis connue essentiellement pour les réseaux sociaux, bien que mon coaching aille bien au-delà des réseaux sociaux, du marketing, ça va aussi le marketing, le personal branding, les tunnels de vente et également le mindset qui est très important. Mais les réseaux sociaux reviennent quand même très très souvent parce que la question que les gens se posent, c'est est-ce qu'il y a un intérêt aux réseaux sociaux? Tout simplement en disant, bah oui, mais les réseaux sociaux, j'y passe des heures et des heures par jour et il ne se passe rien. Alors pour ma part, depuis des années, effectivement, Facebook, c'est une des sources principales de l'obtention de mes clients. Ce n'est pas la seule, bien évidemment, mais c'est ce qui m'a permis notamment de me développer à l'international. Pourquoi? Parce qu'avec d'un simple clic de souris, on attire beaucoup plus de gens. Et que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est plus interactif que simplement un site internet ou un blog. Même si les gens viennent mettre des commentaires, mais sur les réseaux sociaux, on peut répondre pratiquement immédiatement. Donc il y a une connexion qui se fait avec les gens. Donc, est-ce qu'il faut y aller? Oui, ça c'est sûr, la question aujourd'hui ne devrait même plus se poser. Si vous avez un business ou si vous envisagez de lancer un business, qu'il soit sur Internet ou non d'ailleurs, il faut impérativement être sur les réseaux sociaux et notamment Facebook puisque c'est le réseau social numéro 1 dans le monde. Il y a LinkedIn, il y a Twitter, il y a Instagram, il y en a plein d'autres, mais pour autant, Facebook reste celui qui évolue le plus et là où il y a le plus de monde. Alors maintenant, la deuxième question, c'est est-ce qu'il me faut une page personnelle ou est-ce qu'il me faut une page professionnelle? Donc bien sûr, vous pouvez avoir une page personnelle. Donc soit que vous l'utilisez uniquement à titre personnel avec véritablement vos vrais amis, pas les amis Facebook, mais des vrais amis avec qui vous souhaitez échanger. Et vous pouvez la mettre en privé pour qu'il n'y ait que véritablement vos amis qui l'utilisent. Mais vous pouvez aussi avoir une page privée pour connecter avec votre communauté. Par contre, ce qui est certain, c'est que si vous avez un business ou vous souhaitez lancer un business, il vous faut une page professionnelle. C'est-à-dire que pas là où les gens vont cliquer « je veux devenir ami », mais où ils vont pouvoir cliquer « j'aime ». Pourquoi vous avez besoin d'une page professionnelle? Pourquoi la page perso ne suffirait pas? C'est-à-dire que, en fait, quelque part, les deux vont se compléter. Mais la page professionnelle, vous en avez besoin parce que c'est là où va se passer plus de choses. C'est là où vous allez pouvoir voir concrètement combien de personnes voient vos messages, ce que vous n'allez pas voir sur votre page personnelle. À chaque fois que vous allez poster quelque chose, vous allez avoir le nombre de vues. Alors le nombre de vues ne signifie pas que les gens ont nécessairement lu votre message, mais ça veut dire que c'est apparu sur leur fil d'actualité. Donc vous savez combien de personnes ont été touchées dans leur fil d'actualité. Ça vous permet également de bénéficier de toutes les statistiques. Si vous allez, alors en français je pense que c'est marqué statistique, en anglais c'est marqué insight, donc vous en français je suppose que c'est marqué statistique. Ça vous permet de savoir combien de personnes viennent sur votre page, quel est le sexe des gens qui viennent, est-ce que c'est plutôt des hommes, est-ce que c'est plutôt des femmes, quel est le pourcentage, quel est l'âge moyen des gens qui viennent vous retrouver. Donc ça vous permet aussi de juger, est-ce que les gens qui vous suivent sur Facebook, est-ce que ce sont les mêmes que la cible que vous vous êtes donnée? Et parfois il peut y avoir des surprises en disant, moi ma cible c'est les femmes de 30-55 et de s'apercevoir que finalement les personnes qui viennent sur la page c'est des femmes de moins de 35 ans. J'ai vu le cas avec différents clients. Donc ça vous permet d'en savoir plus. Ça vous permet également de savoir quel est le poste, le message que vous avez mis qui réagit le mieux. Donc si vous savez ce qui réagit le mieux, bah, vous allez faire plus de ce qui fonctionne le mieux et peut-être moins de ce qui ne fonctionne pas. Vous allez pouvoir voir également quels sont les jours et les heures où vous avez le plus de trafic sur votre page. Donc si vous voyez que l'essentiel du trafic est à 14 heures sur votre page, s'il y a un pic en général à 14 heures, il est évident que si vous postez régulièrement, vous allez faire en sorte de poster à 14h et non pas à poster à 9h le matin. Donc ça vous permet également de pouvoir programmer aussi vos messages à l'avance et pas d'attendre derrière votre ordinateur qu'il soit 14h, mais de les programmer et par exemple de programmer un message systématiquement tous les jours à 14h. Ça ne veut pas dire que le deuxième message, vous ne pouvez pas le poster, vous allez pouvoir vous le poster quand vous avez un peu de temps. Soit le matin, soit le midi, ou que ce soit le soir, vous allez poster un deuxième message, mais vous savez que vous avez toujours un message qui part au moment où vous avez un pic. Ça vous permet aussi d'avoir d'autres informations, donc par rapport au type de pays qui viennent sur votre page, donc vous allez savoir si les gens qui viennent, de quel pays ils viennent. Donc des fois, ça permet d'avoir des surprises également, parce qu'on se dit, tiens, ben moi, de toute façon, ma cible, c'est la France, donc il n'y a que la France qui regarde ce que je fais, et de s'apercevoir que peut-être vous avez beaucoup de gens qui sont
au Canada, ou qui sont au Maroc, ou qui sont en Tunisie, ou qui sont dans d'autres pays, ou éventuellement qui sont en Afrique, si vous vous adressez essentiellement à des francophones, ou peut-être que vous avez également pas mal de francophones, mais qui vous suivent des États-Unis, par exemple. Donc, la page professionnelle vous permet d'avoir toutes ces statistiques, c'est un peu comme, comme Google Analytics, hein, c'est un peu le même concept que vous avez sur votre blog, donc pour savoir exactement comment ça fonctionne. Il faut savoir également que peu importe le nombre de fans que vous ayez sur votre page, il va y avoir en moyenne que 3% de ces fans qui vont voir vos messages. Donc si vous avez même 1000 personnes ou 10 000 personnes, ce n'est pas les 1000 ou les 10 000 qui vont voir vos messages systématiquement. C'est simplement un pourcentage. Ce pourcentage-là, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est Facebook qui décide qui voit quoi et quand. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous démarrez votre page, bien sûr, vous allez peut-être avoir que 10 fans, 50 fans, 100 fans, jusqu'à 500 fans. Vous n'en avez pas beaucoup. Donc au démarrage, c'est un peu comme si vous publiez et que quasiment personne ne voit ce que vous mettez. Ça n'est pas grave. Donc vous allez voir peu de résultats, peu de personnes qui cliquent j'aime, peu de personnes qui vont partager, peu de personnes qui vont mettre des commentaires au démarrage. Surtout, il ne faut pas vous impatienter. Et il faut poster comme si, je dis toujours à mes clients, poster comme si vous aviez 10 000 personnes. 10 000 fans. Tout simplement parce que plus vous allez poster, plus Facebook va montrer votre page et plus Facebook va montrer vos messages sur le fil d'actualité de vos fans. Donc, ne dites pas, ah bah oui, non, ça donne rien, comme j'ai beaucoup de gens qui disent, ah ouais, non, mais j'ai fait Facebook pendant 3 semaines, ça n'a rien donné, ça n'a pas évolué, donc j'ai arrêté. Ça prend plus de temps que ça. Donc, laissez le temps au temps. Le marketing, c'est du temps. C'est de la patience et c'est de la répétition. Donc, laissez le temps. Et puis surtout, bien évidemment, chaque jour, essayez d'aller chercher de nouveaux fans. Mais bien évidemment, ce ne sont pas des fans, ce ne sont pas d'aller cliquer sur tous les boutons de tout le monde, demander à ce qu'ils deviennent fans. Contactez des gens qui sont des gens ciblés par rapport à votre clientèle que vous avez choisie. Donc, c'est des gens que vous allez pouvoir trouver sur des groupes ciblés dans lesquels vous allez vous inscrire. Vous allez voir qui sont les membres de ce groupe-là. Je ne sais pas si votre site internet, c'est pour aider s'occuper d'un cheval, par exemple, vous allez aller chercher des groupes qui sont spécialisés par rapport aux chevaux. Et si les gens sont là, c'est qu'a priori, ou ils ont un cheval, ou ils sont intéressés par le cheval. Donc, c'est des clients potentiels. Vous n'allez pas aller sur le site, sur le groupe qui s'occupe des tortues, parce que ça ne va pas vous donner grand-chose. Donc, véritablement, assurez-vous de vous inscrire à quelques groupes spécifiques par rapport à votre cible et votre client idéal. Et vous, bien sûr, vous interagissez dans ce groupe. Si les gens posent des questions, vous avez les réponses, vous répondez, alors pas simplement des réponses, mais vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des mini-sondages, et bien sûr, vous allez contacter les membres de ce groupe et les informer que vous avez également une page par rapport à ça. Alors attention, ça n'est pas d'essayer de leur vendre quoi que ce soit, c'est simplement de les informer de ce que vous faites et de les inviter à venir rejoindre votre page professionnelle et non pas votre page personnelle. L'intérêt également, c'est que vous pouvez aussi, en dehors des groupes, vous pouvez aussi repérer d'autres pages. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être soit des concurrents, soit des personnes qui ont des produits similaires aux vôtres ou complémentaires aux vôtres et qui ont la même cible. Pareil, vous allez vous inscrire, vous allez cliquer « j'aime » sur ces pages-là. Vous voyez quelles sont les personnes qui interagissent ou qui cliquent « j'aime » sur ces pages-là. Et de la même façon, vous pouvez les inviter. Alors, je conseille toujours d'avoir un message pré-écrit, c'est-à-dire que vous ne perdez pas de temps à chaque fois à le répéter à plusieurs personnes. Le corps du message est essentiellement le même. Après, vous allez en bonjour, je me suis aperçu que nous étions tous les deux dans tel groupe et vous ajoutez le groupe, que les gens sachent d'où vous venez. Donc, je vois que nous avons un centre d'intérêt par rapport aux chevaux ou par rapport pour entretenir les chevaux ou pour faire du cheval, tout simplement. J'en profite pour me présenter. Voilà ce que je fais, mais vous ne vendez pas, vous vous présentez simplement. Je vous invite à rejoindre ma page. Vous mettez le lien de votre page professionnelle. Vous signez. Alors, avant de signer, toujours important. Les gens ne s'intéressent pas à qui vous êtes ni ce que vous faites. Ils s'intéressent à ce que vous allez pouvoir faire pour eux. Donc, les gens aiment aussi parler d'eux. Donc, laissez une phrase ouverte pour que eux, effectivement, viennent vous répondre et viennent expliquer ce qu'eux, ils font. Ce n'est pas juste vous, c'est par rapport à vous, c'est toujours s'intéresser à l'autre. Donc, à finir par une phrase, par exemple, voilà, la phrase que je dis dans mes messages, c'est « n'hésitez pas à venir me donner des informations sur votre activité et également le lien de votre page, que je puisse également aller cliquer « j'aime ». Montrez toujours que vous vous intéressez à l'autre. Et puis, vous mettez votre nom en signature. Et vous mettez le lien de votre site internet.
C'est-à-dire que si les gens sont intéressés, ils ont toutes les informations pour aller les trouver. Que ce soit la page Facebook, que ce soit le site internet, ils vont aller chercher l'information s'ils en ont besoin. Le fait d'envoyer ce type de message engage les gens à répondre. Alors il est évident que tout le monde ne répond pas, mais ça engage les gens, certaines personnes à répondre. Et donc ça va entamer la conversation. Vous allez commencer à entamer la conversation, vous allez aller voir un peu plus de ce qu'ils font sur leur page, vous allez pouvoir partager des choses intéressantes, puisque si vous avez les mêmes centres d'intérêt et la même cible, donc ce qui a un intérêt à partager, que ce soit leurs articles, que ce soit leurs vidéos, des choses comme ça, et surtout pensez bien à donner avant même de recevoir, c'est à vous d'être à l'initiative, attendez pas que les autres partagent ce que vous faites avant de le faire, donnez. N'attendez rien en retour et étonnamment, vous vous rendrez compte que moins vous attendez en retour, plus vous aurez du retour. Donc n'hésitez pas à recommander ces personnes ou à partager ce qu'ils font, si bien sûr ça a un intérêt par rapport à votre page. Donc ça, ce sont les choses que vous devez faire sur votre page professionnelle. Et bien évidemment, sur votre page personnelle, alors selon comment vous utilisez la page, beaucoup de personnes, mon cas, j'utilise ma page perso également pour des raisons professionnelles, parce que d'abord la page a été créée bien avant qu'on ait les comptes pro. Et en fait, ma page professionnelle est plutôt un mixte, c'est-à-dire que je partage certaines informations que je partage également sur ma page pro, je donne des informations, et alors là, attention aussi, c'est donner de l'information générale, c'est 80% d'information générale et seulement 20% d'autopromotion, parce que si vous mettez à tous vos posts qu'il faut venir acheter votre service parce que c'est le plus beau et c'est le meilleur, ça n'intéresse personne et ils s'en vont. Donc sur votre page personnelle, si vous n'utilisez pas uniquement à titre personnel, vous pouvez faire un mix, ou comme je disais, donc je partage des choses que je mets sur ma page professionnelle, mais je marque aussi d'autres choses qui sont un peu plus perso, ou des choses que je vais partager, par exemple les fameuses images des petits chiens, des petits chats, des enfants qui sont assez sympas et qui pullulent un peu Facebook, mais de temps en temps il y en a qui sont marrants, donc ça je vais effectivement aussi les partager. Donc il va y avoir un mix sur ma page perso, par contre sur la page professionnelle ça ne va rester que professionnel, bien que ce ne soit pas de l'autopromotion. Donc c'est informer de webinaires, de séminaires, mais également donner des conseils, répondre à des questions, mettre des citations motivantes, comme ça, ça détermine également votre personnalité et les gens vont apprendre un peu plus sur vous en fonction des différentes citations que vous donnez. Et dernière chose, n'oubliez pas que les gens vous achètent vous avant vos services. Donc il faut qu'ils découvrent votre personnalité et en fait, ils vont découvrir beaucoup plus de vous au travers des réseaux sociaux parce que vous allez y partager plusieurs fois que au travers de votre site internet ou de votre blog. Et dernière chose, Facebook conseille de poster entre 5 et 6 fois par jour sur sa page. Alors oui, je vois tout le monde qui lève des yeux en disant non mais c'est pas possible, je vous rassure, je le fais pas non plus. Par contre, ce que je vous conseille fortement, c'est de poster minimum 2 fois par jour. Si vous n'avez pas ce minimum de 2 fois par jour, c'est comme, un peu comme si votre page n'existait pas et Facebook ne va pas la montrer suffisamment. Donc, j'espère que vous avez compris l'intérêt d'être sur Facebook, on parlera d'autres réseaux sociaux plus tard, mais d'être sur Facebook, d'avoir votre page professionnelle, de poster au moins 2 fois par jour, de communiquer et d'échanger avec les autres, de partager énormément. Et important de ne vous occuper que de votre client idéal ou de votre cible quand vous êtes sur les réseaux sociaux et ne pas vous perdre à cliquer sur tous les boutons et sur toutes les vidéos, parce que c'est la raison pour laquelle vous n'avez peut-être pas de résultats aujourd'hui. Donc vous vous concentrez sur les groupes ciblés, sur les personnes ciblées, sur les pages ciblées. Votre fil d'actualité, dans la journée, vous ne vous occupez pas de ce qui ne concerne pas votre cible et votre type d'activité. Ça, vous pouvez le faire si vous faites comme moi, pendant 5 minutes, 5-10 minutes, une fois que je suis dans mon lit. Là, c'est un peu récréation, donc là, je vais regarder éventuellement ce qui se passe autre, mais je ne suis pas sur mon temps de travail. Donc, en vous concentrant uniquement sur votre cible d'activité, si votre cible de clientèle est sur votre activité pendant la journée, 15 minutes par jour suffisent pour gérer les réseaux sociaux. Je sais que ça surprend toujours, mais je passe pas plus de 15 minutes par jour et c'est ce qui, les réseaux sociaux, c'est ce qui m'a permis essentiellement de développer mon activité à l'international. J'espère que ceci vous a aidé. Et puis si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, bien évidemment, vous partagez cette vidéo et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve ci-dessous pour me rejoindre sur mon site, donc bibapelleronde.com pour encore plus d'informations, pour obtenir mon e-book gratuit et mes vidéos gratuites qui vont vous donner encore plus d'informations. Et puis, bien sûr, venez me rejoindre sur Facebook, sur facebook.com/bibacoach. Et bien évidemment, on se retrouve le mois prochain pour ma prochaine chronique sur le magazine Miss Marketing. À bientôt, au revoir.